Et aujourd'hui, il faudrait reconnaître que Mouzé a sacrifié sa vie pour la nation, pour les générations futures. Je suis venu avec mes enfants pour leur dire qu'il y a des gens qui ont donné de leur vie pour cette nation et nous avons le devoir de pérenniser ces acquis. On parle aujourd'hui de la consolidation des acquis. Il ne faudrait pas seulement consolider les acquis, encore qu'il faudrait le pérenniser de génération en génération. Nous sommes Congolais. Par rapport à notre hymne national, les debout Congolais ne trahissons pas. Deux, prenez-vous en charge. Personne ne construira. Personne ne va embellir. Personne ne va entretenir. Personne ne va développer la RDC si ce ne sont les Congolais eux-mêmes. Les autres vont nous amener une aide d'appoint. Mais c'est à nous de nous assumer. C'est à nous de nous assurer. C'est à nous d'être responsables. Voilà ce que je peux parler de Mouzé. Thank you.
Le plus important que je puisse retenir, c'est le sens de toute une vie. À travers Mouzé, tout comme le reste de nos héros, parce que moi j'estime qu'il y en a plusieurs, même beaucoup n'ont pas été plébiscités ou reconnus, mais nous en avons beaucoup, mais c'est le sens de la vie. Ils ont consacré leur vie pour un but noble, un but qui est plus grand qu'eux. Et aujourd'hui, il faudrait reconnaître que Mouzé a sacrifié sa vie pour la nation, pour les générations futures. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez vu que je suis venu avec mes enfants pour leur dire qu'il y a des gens qui ont donné de leur vie pour cette nation et nous avons le devoir de pérenniser ces acquis. On parle aujourd'hui de la consolidation des acquis. Il ne faudrait pas seulement consolider les acquis, encore qu'il faudrait le pérenniser de génération en génération. On doit beaucoup plus s'approprier notre histoire. Ça, c'est très important. J'ai eu la chance de faire plusieurs pays dans le monde. C'est que lorsque vous visitez, par exemple, le reste, soit les souvenirs de Sadat, ça vous inspire. De Martin Luther King, de tous ces grands hommes, il y a un travail qui devrait être fait. Par rapport à cet endroit, je vous dirais qu'il y a lieu de réfléchir comment faire autrement. Il est possible aujourd'hui de faire de cet endroit un endroit touristique qui peut non seulement nous permettre de créer nos souvenirs, mais aussi créer de l'emploi. Il y a des jeunes, si seulement à côté. Je suis venu parce que je reconnais le combat de Mouzé, je reconnais nos héros. Il pouvait y avoir, par exemple, là où on pouvait vendre des objets de souvenirs pour Mouzé. Ça, ce sont des idées. Et on peut, en fait, en faire toute une entité qui peut créer de l'entreprise. Il y aura des imprimeries qui vont fonctionner. Il y aura de petits stylos avec effigie de Mouzé. Donc, c'est un projet qui doit essayer un peu... on doit essayer d'approfondir, pas seulement pour Mouzé, mais aussi pour le reste de nos héros. Et ça serait une très bonne chose. Quand ça concerne la journée du 16 janvier, c'est une journée mémorative en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Premièrement, pourquoi pas, c'est un héros national qui a fait beaucoup pour le pays, en termes bien sûr de changement de régime, de changement de pouvoir. Il y avait le pouvoir dictatorial qui était déjà... qui pesait sur la population et avec bien sûr l'avènement bien sûr de Mouzé Laurent-Désiré Kabila, président bien sûr de la République démocratique du Congo. Beaucoup de choses ont changé et c'est une journée qui restera toujours gravée dans la mémoire de tous les Congolais, particulièrement dans la mienne, par rapport au fait que ce sont des figures emblématiques de notre pays que nous devons toujours de pouvoir immortaliser et léguer bien sûr aux générations à venir la grande personnalité que revêtait bien sûr ce personnage de Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Le message que je lancerai à tous les Congolais à travers bien sûr cette journée mémorable, c'est d'être toujours aussi révolutionnaire quand rien ne marche. Quand rien ne marche, que nous ne soyons pas muselés, que nous ne soyons pas piétinés, que nous ne laissons pas marcher dessus et que nous réagissons pour avoir un Congo encore meilleur. Donc pour que tout puisse marcher selon la démocratie comme notre pays le vit quoi. Le lot pour Nabiso et Zamokolomo comme Nene, Oyo to perdre leader, Oyo to mandat pour espérer na Congo, Ayaki ko libérer Biso, la dictature il y a plus de 32 ans. Pour la Bisso, tu gardes la mémoire fraîche pour la Mouzé. À chaque fois que le Congo est là, qui a besoin d'aller. À chaque fois qu'il sent toutefois qu'on réalise la vision pour le Congo. Je suis un peu de Congolais, espoir. Je suis un peu inspiré qui va te bêler. Donc là, nous avons besoin de mettre des temps de circonstances. C'est pour ça que Mouzé a été, malgré que y a un assassinat, ce qui nous a fait, c'est pour ça qu'il a été. Garder l'île de Mouzé. L'île de Zanini, ne jamais trahir les Congos. Ne jamais trahir les Congos et les guerres de Zanini, il faut tout conserver. Bah, qui la République démocratique du Congo, Abundaki pour la démocratie, Abundaki pour la libération du Congo. Ce que tu as dit, l'Oba n'a jamais trahi le Congo, et l'Oba, tu as conservé la démocratie, tu as bunda pour la mort de la vie, et tu as dit que tu as bunda pour la justice de la vie, la 4e mort de la vie.
tobunda pona ko calmer minguna ya Congo. Toyebi ke Congo na biso eza attaqué par ci par là. Pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo bunda pona kimia. Yepe aza aligné kaka na vision oya Mosé de ne jamais trahir le Congo. Donc na ko senga ba congolais mokolo lelo eza mokolo. Donc on tire la méditation, to incarner l'itia Mosé Laurent Désiré Kabila, to tika ba anti-valère, to tika bitumba, to tika ko détruire mboka na biso parce que mot o tozo commémorer lelo akufa ka pesa ki bomo inaye pour na Congo na biso, to respecter, to accompagner ba institution na mboka na biso eza parmi vision na de ne jamais trahir le Congo. Merci. Tous, nous sommes congolais. Par rapport à notre hymne national, les debout congolais ne trahissons pas. Deux, prenez-vous en charge. Personne ne construira. Personne ne va embellir. Personne ne va entretenir. Personne ne va développer la RDC si ce ne sont les Congolais eux-mêmes. Les autres vont nous amener une aide d'appoint. Mais c'est à nous de nous assumer. C'est à nous de nous assurer. C'est à nous d'être responsables. Voilà ce que je peux parler de Mosé. Merci. Merci beaucoup. Merci.